BCUN a travaillé pour rendre délibération sous cas contestation candidate à la présidence Famille Lavalasla, Dr. Maryse Narcisse, et candidat à la présidence Mexipa, Villers Cluny du Roseau. Mais aucun responsable pas de fixer un délai pour dire qu'il est sa fête. Pendant une visite Radio Télékiske a fait journée lundi à la direction des affaires juridiques KIPA sous route frais, nous avons constaté pour l'élection législative, c'est au total 19 cas qui ont enroulé dans le greffe BCUN, côté audience a déroulé dans deux chambres. Parmi les cas contestation, ça y est, nous jouons un candidat pour poste sénateur Nord-Est, en Babanie à plat, Ronald Etienne, qui contestait le premier résultat, qui plaçait Ronald Larèche, plateforme Vérité, avec Chantel Jacques Sauveur Jean, PHTK, comme deux candidats qui remportaient la mayole dans le département. Audience a été déroulée dans la chambre 3 qui a une composition Sahara. Visionnaire des Miro président, Marie-Carmel Paul-Austin, juge Durin Duret Junior, Maître Marc Réal Cadet, Maître Rousse Célestin Mam, et puis Maître Pierre-Francis Elias, greffier. Avocat candidat Ronan Etienne avec Chena Martial Pierre, famille Lavalas, Maître Evans Fils, dans le moment l'étape défend client Lio, te fait référence à rapport RNDDH et puis plusieurs autres organisations qui t'ont déployé observateur dans l'élection yo pour montrer tes gain irrégularité et fraude massive. Homme de loi a mandé tribunal électoral là tranché en faveur client lio. Maître Evans Fils dans le micro Vladimir Maurice Ridoré avec Delson Gersin. Donc effectivement notre requête est fort bien signée, la composition là bien. Donc ne parlons pas de requête non signée. Effectivement, des coups d'épée dans l'eau. Bon, parlons des procès-verbaux que le confrère demande qui doivent être écartés. Dans le procès-verbal, il est mentionné effectivement les déclarations de ce que le juge de paix a trouvé au moment qu'il dressait son procès-verbal. Cela n'est point une condition juridique pour écarter un procès verbal, parce que ce procès verbal contient des déclarations des personnes qui étaient présentes au moment où on dressait le procès verbal. On ne peut pas écarter un procès verbal parce que le procès verbal contient des déclarations. Répondre aux observations de notre confrère. Nous commençons par dire nos magistrats. Par ses causes et motifs, le dispositif du jugement. Nous tenons à faire remarquer au tribunal que nous plaidons d'une part pour Renan Pierre et d'autre part pour Renan Etienne et d'autre part pour Chena Martial. Si vous prenez le temps d'observer, de lire avec minutie le dispositif des deux jugements, vous allez remarquer, vous serez consterné de voir que les jugements, c'est deux copier-coller. Qu'est-ce que j'entends par copier-coller? Les mêmes propos qui composent le dispositif du candidat Renan Etienne sont les mêmes qui composent celui du candidat Chena Martial. En un mot, le BCED du Nord-Est n'a pas tenu compte des chefs de demande des candidats. Et quand on voit une équipe prouver que les élections du 25 octobre étaient entachées de fraude massive, nous en avons à profusion. Pour cela, il est bon de rappeler la présomption. Nous avons, honorable magistrat, le rapport du RNDDH. Nous avons, honorable magistrat, les déclarations reportées par IT Network. Nous avons, honorable magistrat, les rapports de l'organisation GILA. Tous ces rapports veulent dire quoi? Tous ces rapports établissent en droit un principe que la plupart des avocats oublient. Tous ces rapports établissent ce qu'on appelle en droit la présomption. La présomption, il faut le rappeler, c'est le rappeler, est un moyen de preuve. Et c'est quoi la présomption? C'est lorsque toutes les circonstances, les journaux, la presse, la population, tout concourt à dire que les élections du 25 octobre étaient entachées de fraude. Donc au nom de ce principe qu'on appelle présomption, nous disons que nous avons des preuves.